Ce résumé vous est proposé par Heineken et Pepsi Max, sponsor de l'UEFA Champions League. Après le match d'hier, on se dit qu'à ce niveau-là, des erreurs pareilles, c'est impardonnable. Quelle erreur monumentale! Et c'est forcément l'homme en forme qui passe par là, Mehdi Taremi. Mais c'est pas monumental, c'est tout simplement impardonnable. Chechny, mais qu'est-ce qu'il fout là? Permettez-moi l'expression, c'est pas possible, hein. Mauvaise relance, c'est dévié et c'était troublant. Ouais. Honnêtement, encore ce diable de Sergio Oliveira. Et ça se répète, hein. Cette Juve qui n'arrive pas à sortir, qui n'arrive pas à déjouer cette pression haute de Porto. Allez, c'est parti, Bettencourt en deuxième zone. C'est touché une première fois. Oh là, magnifique parade de Marchezin qui n'a pas eu de boulot quasi tout au long de ses 40 premières minutes et il va chercher cette reprise de Rabiot. Franchement, il fallait le faire. Ouais. Corona, on le retrouve encore une fois, jeu en entend, ça joue vite, ça joue bien à Porto. Porto déjà dans le grand rectangle, avec un but. Bis repetita, c'est pas possible et pourtant ça l'est. 2-0, on l'a tellement critiqué Moussa Marega ces derniers temps. Il ratait tout ce qu'il voulait en championnat, mais en Ligue des Champions, il marque et c'est exactement le même scénario que tout à l'heure. Franchement, on l'écrirait à l'avance, on nous dirait mais les gars, vous êtes complètement fous. Et pourtant, ça se vérifie dans la réalité. 2-0. Bien joué. Sergio Oliveira, qui a tout le loisir de faire ce qu'il veut de ce ballon. On connaît sa qualité de frappe à distance. Il va frapper, il va rentrer dans le rectangle, il va marquer. Non ! Oh là là, mais encore une fois, oui, ils sont en train de parler entre eux, mais il n'y a personne qui intervient. Non, il aurait pu encore avancer de 5 mètres. Oui, tout à fait. Effectivement, toujours pas de tir cadré, contrairement au FC Porto qui va avoir une occasion de but là. Et le retourner, oh, magnifique, franchement splendide. Se retourner, Chechny qui va chercher ce ballon dans la lucarne, mais quel geste. Ouais. Ah, je vous sens un peu remonté tout de même, Xavier, parce qu'on est en droit d'attendre tout autre chose forcément quand on aime le foot, on aime d'office la Juve. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ben c'est pas la Juve des grands soirs. Mais attention tout de même à ce ballon qui est dévié. Et il faut un bon Marchezin pour aller le pousser un peu plus loin. Enfin, une occasion pour la Juve. Ouais, avec un bon travail de Cristiano là sur le flanc gauche et qui trouve Chiesa bien positionné. De Ligt. Alexandro. Et là ça passe pour Rabiot. Il n'y a personne ou presque. Et pourtant ce ballon rentre. Eh bien dites-moi, ça c'est aussi la chance des grandes équipes. Hein, parce que Chiesa qui vient faire 2-1 face à un Porto qui ne mérite mais absolument pas du tout de prendre ce but. Eh bien dites-moi, les dieux sont turinois ce soir. Ouais, vous en parliez, hein.
ne suffit pas de grand chose pour inverser la tendance et ça change tout. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Pepsi Max, sponsor de l'UEFA Champions League.